Et nous voilà pour le mot de la fin avec Keke qui s'est déjà mis à l'aise. Tranquille. Full metal package. Bon ben ça a coupé en plein live. C'est une batterie ou bug. En place dans la Mercedes, la MG6 et tout ça. Oui, parce que quelqu'un n'a pas pu résister à poser son cul dans le baquet. Alors mon Keke, tes impressions du week-end? Merveilleux, magnifique, assez court, assez long. En même temps. Fatigant. Faudrait une trottinette électrique en fait. Beaucoup de châssis, de beaux châssis. Que ce soit côté mécanique ou là. Je vous le dis. Bon alors, t'es partant pour l'année prochaine? Ouais. Et vous, vos impressions? C'est bien. Beaucoup mieux que la Formule 1. On peut approcher beaucoup plus la voiture. Les mecs dans les garages, les stands, s'ils parlent français, la plupart parlent quand même français. On peut leur poser des questions tranquilles, sans vraiment avoir de problème. On a eu du bon temps. Un peu de la nuit, on pensait qu'il y avait un peu d'accident. On a loupé le crash de la mort. Dans la première heure. À cause de moi, il faut que je la trouve. À cause de moi, j'ai insisté pour remonter et j'ai insisté pour qu'elle quitte le sud. Sinon, franchement, pour le prix, vaut mieux ça que la F1. Franchement, ouais. C'est 32,50€ pour entrer sur les 25 ballons. Ah, ok, c'est bon. On est tout, hein. C'est clair. L'accès au paddock c'est 30€ de plus. Et franchement, ça vaut vraiment le prendre le paddock. Par contre, le grid, oui, hein. Ouais, le grid, ça vaut pas tout. 50€, ça fait 10 minutes sur la ligne de départ. Le plus facile, c'est de faire ça. Et vous, le grid, c'est un peu plus. On va faire un karting. Karting, sympa. Pas prévu au programme. Comme d'hab, premier. Comme d'hab. Derrière, je commencerai pas. Ouais, j'ai assez de place. J'ai assez de place. Et si on peut rouler en ligne de C3, pourquoi pas? On se dit, j'avoue. Pour des amis, sont pas venus. Ah, oh, bah, je sais pas pourquoi ils n'ont pas pu venir. Pourquoi vous n'avez pas pu venir, les gars? Ouais, c'est ça. Mais bon, vous savez pas répondre. On leur a posé la question. Voilà. Et aussi pour ça, les gens qui parlent avec, ils sont sympas. En Formule 1, il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui ne répond. Ni anglais, ni néerlandais, ni allemand. Bon, les mecs, on se retrouve sur YouTube, sur les racing, Discord. En fait, on fait ça pour 4 personnes, à mon avis. Mais bon.